Mesdames et messieurs, bonsoir. Le groupe de travail du haut commandement militaire s'est réuni pour la première fois autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Des instructions ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Après la réunion la semaine dernière du Conseil supérieur de la défense élargie, le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, a tenu dans la soirée de ce vendredi 5 juillet 2024 la première réunion de la task force du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette rencontre, qui succède celle tenue dans l'après-midi avec la première ministre et quelques membres du gouvernement, a réuni autour du chef de l'État le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des officiers généraux de forces de défense et de sécurité. Lors de la réunion du jour, le haut commandement militaire a présenté le rapport des actions tactiques faites sur le terrain et le chef de l'État a donné l'ordre pour que des actions idoines soient prises pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Il faut préciser que la task force devra désormais se réunir régulièrement autour du président de la République et comme il a rappelé dans son adresse à l'occasion du 4e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État et le gouvernement mettent tout en œuvre pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Avant la réunion du haut commandement militaire, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Je vous propose un extrait de ce compte-rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République qui a été lue par la première ministre chef du gouvernement comportait 4 points. De la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République reste préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, avec la récente détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga. De l'action du Rwanda et ses terroristes supplétifs du M23. Il a rappelé avoir convoqué et présidé en date du 29 juin 2024 une réunion du Conseil supérieur élargi des défenses afin de faire le point de la situation générale sur le terrain et d'envisager les options à lever pour une réponse efficace à tous les défis sécuritaires dans la partie est du territoire national. Le commandant suprême de forces armées et de la police nationale a mis en place une task force sécuritaire sous son autorité directe, capable de proposer des solutions urgentes et immédiatement opérationnelles. Cette task force se réunira à fréquence hebdomadaire et aura notamment pour tâche essentielle, sans se substituer au Conseil supérieur de la défense, d'évaluer la menace, d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs alimente l'insécurité, de concevoir des stratégies intégrées pour contrer les forces ennemies et proposer des mesures spécifiques pour rétablir l'autorité dans les zones affectées. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que tous les autres membres du Conseil supérieur de la Défense sont chargés de venir derrière cette dynamique, proposant des stratégies idoines pour garantir une efficacité opérationnelle sur le terrain. La banque Equity BCDC et les ont apporté leur signature au bas d'un protocole d'accord devant offrir des options de préfinancement pour une vaste gamme de machines agricoles. La cérémonie de signature de l'accord entre Equity BCDC et Comotors SARL vise à promouvoir l'accès à la mécanisation de l'agriculture avec des outils performants au bénéfice des paysans, agriculteurs et coopératives agricoles. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut faire promouvoir la revanche du sol sur le sous-sol avec une agriculture moderne et productive. C'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchaïl Moutom, qui, au nom du gouvernement de la République, parrainait cette activité en présence du vice-premier ministre en charge du plan Guylain Nyembo, représentant de la première ministre et du ministre d'État en charge du développement rural. Cette collaboration entre Congo Motors et
Equity BCDC ouvre la voie à d'autres initiatives audacieuses pour développer notre agriculture. Nous sommes en train de faciliter les possibilités de localiser les montages de tracteurs agricoles, machines agricoles nécessaires pour le développement de notre agriculture. Le directeur général de COP14, SARL, a salué cette collaboration qui offre des options de préfinancement pour une vaste gamme de machines agricoles. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers KZH et Equity BCDC pour leur collaboration précieuse et leur soutien continu à notre projet de vulgarisation de la mécanisation agricole et de modernisation des outils pour nos agriculteurs. Prenant la parole, le directeur général de Equity BCDC a évoqué le fait qu'il n'y a pas de transformation agricole sans mécanisation. Sur le plan du soutien technique et financier, la banque a innové en mettant sur place un produit spécifique. Grâce à Equity, nous avons mis en place un financement. Vous avez un apport de 20% du montant du tracteur. La banque finance la totalité de ce qui reste, 80%, sans Equity, parce que grâce à l'apport que nous signons ce soir, nous pouvons accompagner réellement ce secteur et puis à des taux très attractifs. La signature de cet accord ouvre non seulement l'accès au crédit bancaire, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture, propice à la croissance et à l'innovation. Le projet de la Banque mondiale entend fournir des équipements de bureaux et de moyens de locomotion pour l'administration de la province du Kasaï oriental. Le projet encore de la Banque mondiale et le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, sont allés au-delà de la capacitation des prenantes au Kasaï oriental. C'est pour matérialiser la vision du chef d'État sur les développements à la base. Plus de 100 motos flambant neufs de marque Yamaha tout-terrain munis de casques de protection pour conducteurs viennent d'être remis aux agents fiscaux, une dotation spécialement à la Direction générale des recettes DGRK Or, au ministère des Finances et du Budget et au gouvernorat. Dans la foulée, des ordinateurs portables, des imprimantes de grande capacité, voire des rétroprojecteurs, des tables, des chaises de bureau ont été symboliquement remis au gouverneur des provinces par le secrétaire exécutif du COREF, Godefroy Missenga, dans la mission conjointe avec Mme Ruxandra de la Banque mondiale. Nous espérons que ce matériel sera bien conservé. Il ne pourra être affecté qu'à l'objet pour lequel il a été servi. Motif de satisfaction pour le gouverneur de province, Mboué Kapo, Jean-Paul, avec à ses côtés le ministre provincial des Finances, Elias Kabouya. Je vous remercie pour cet acte d'un don précieux à la province du Kasaï oriental. Vraiment, je vous promets que nous allons utiliser ces dons en bon père de famille. Le coordonnateur provincial du projet encore Kasaï oriental, Jean-Claude Moussas Magnong, s'est félicité de l'accompagnement et l'engagement des autorités locales avant de préciser que cette dotation a été constituée selon le besoin de la province. Un ouf de soulagement pour tous les services bénéficiaires qui ont promis d'améliorer le recouvrement des recettes et assurer une bonne gestion des dépenses. Mobil SA, l'entreprise pétrolière, dispose des installations ultra-modernes à Ango-Ango, dans la sortie de la ville portuaire de Matadi, dans la province du Congo central. En visite dans ces installations, Sakombi Molendo, le ministre des Hydrocarbures, s'est vu expliquer le fonctionnement de cette société de stockage de Ango-Ango. Pour son premier déplacement en province en tant que ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi a choisi le Congo central, la première province pétrolière de la République démocratique du Congo. Des visites auprès des sociétés pétrolières sont des terrains et des marches à suivre. Les hommes Petroleum, CEP Congo et S.A. Kobil ont partagé leurs difficultés pour les produits stratégiques comme durant l'anticipation et la clé pour parer à toute éventualité. Le ministre Aimé Sakombi Molendo hérite d'un secteur névralgique dans le fonctionnement du pays.
bien avant, le ministre Aimé Molendosa Kombi a échangé avec le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, qui lui a fait part des idées novatrices pour le développement de sa province dans ce secteur pétrolier. Plus de 50% des produits pétroliers ont comme porte d'entrée la province du Congo central. Donc, quoi que de plus normal que je puisse consacrer ma première visite à la grande province du Congo central, là je suis venu porter mes civilités à monsieur le gouverneur. Nous devons absolument travailler ensemble et lui-même aussi a le souhait de voir la province un peu plus impliquée. Après cette visite à Matadi, il a mis le cap de Moanda. Kinshasa accueille un forum sur l'innovation technologique. Une soixantaine de projets seront présentés au cours de ce forum sur l'innovation technologique, annonce déjà le ministère de la Recherche scientifique au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Oscar Mbal Kaï. Les Congolais ne manquent pas l'esprit d'imagination et de créativité. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, en brief, au cours duquel il a annoncé la tenue prochaine à Kinshasa d'un forum sur l'innovation technologique et les Congolais. L'innovation a des chances de devenir un produit consommable. Une fois que vous achetez et consommez votre innovation, peut booster le développement du pays, on met à votre disposition, bien entendu, avec de contrôle, de suivi, de surveillance, de protection. On doit vous protéger. À cette occasion, il sera présenté 105 inventions, œuvres de génie congolais. Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle triés à la volée, Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, inventeur et innovateur de l'accompagnement du gouvernement souminois dans la matérialisation de leur. C'est ça qui crée la puissance de l'État. Ce n'est pas le privé qui crée la puissance de l'État. J'ai déjà la qui crée un fonds souverain pour pouvoir encadrer financer notre développement à travers les inventions et innovations du pays. Un jeu de questions sur la protection de l'esprit et de leurs inventions. Veulent se conformer avec la législation congolaise en matière de sous-traitance. C'est le cas de son papa lors de sa rencontre avec l'autorité des régulations de la sous-traitance. Nous nous inscrivons toujours, pour commencer, dans le respect de la loi, le respect des textes. Mais nous pensons qu'il faut aller même au-delà. Au-delà de la lettre des textes, il faut comprendre l'esprit des textes. La politique qui est la politique du gouvernement, qui est la vision du chef de l'État d'appuyer davantage la société qui sont détenues, qui ont des capitaux congolais, nous l'avons pleinement. Nous l'avons toujours fait, nous estimons que ça fait partie de l'ADN non seulement de Kamuaka, mais du groupe Ivano. Et nous estimons qu'une jeunesse se crée, mais ensuite se partage parmi ceux qui sont les premières participantes de nos projets et qui sont d'abord les communautés, mais en plus de cela, les citoyens congolais de général. Depuis l'indépendance de notre pays, il a fallu qu'un jour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la magistrature suprême pour apporter cette délivrance et ces changements de la donne de l'histoire économique de notre pays. De rapprocher la production des ressources et la chaîne des valeurs en mettant le Congolais dans cette chaîne des valeurs. Donc je félicite les actionnaires du groupe Ivanhoé, entre autres Robert Friedland pour son esprit d'ouverture quant à ça. Le vice-président du groupe Ivanhoé est venu représenter la société Kamoa pour que nous puissions ensemble travailler en collaboration et développer cette chaîne de valeur avec ces entrepreneurs.
La coopération japonaise est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo en matière de formation professionnelle. Le tout nouveau ministre du secteur a pris langue avec la JICA, l'agence de coopération japonaise. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, qui tient à œuvrer pour la matérialisation sans faille de la priorité du gouvernement sur la création de plus de 6 millions d'emplois, premier pilier parmi les 6 engagements du chef de l'État, en synergie et en collaboration avec les structures placées sous sa tutelle, a échangé samedi 6 juillet 2024 à Kinshasa avec le représentant résident de la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, Keishi Okitsu, accompagné du directeur adjoint de programme chargé de la coordination de projet, Olivier Diembi. Au menu de leurs entretiens, le renforcement du partenariat existant depuis 15 ans déjà entre la JICA et l'INPP concernant notamment la construction de centres de formation, l'équipement en matériel didactique et la formation des formateurs. Dans le cadre de la formation professionnelle, nous allons mettre l'accent sur la réalisation de la création d'emplois. Ces échanges avec le ministre étaient très fructueux. Nous avons appris beaucoup sur sa vision. Pour sa part, le ministre Ephraim Akwakwa a formulé une requête en rapport avec sa vision. Vision relative au changement d'approche, celle relative à la construction des centres de formation de la main-d'œuvre congolaise dans l'arrière-pays, tels qu'à Kibali Goldmine, dans la province du Haut-Uele, et à Manono Lithium, dans la province du Tanganyika. Question pour Ephraim Akwakwa Nametou d'offrir aussi les opportunités sur place aux jeunes congolais d'être embauché dans les entreprises existantes au lieu de recourir à la main-d'œuvre étrangère de pays voisins. Les prochains Jeux de la francophonie auront lieu en Arménie. Après la réussite de ces Jeux, de la grande fête de la jeunesse francophone à Kinshasa, la République démocratique du Congo vient donc de passer le relais à l'Arménie. La cérémonie s'est déroulée dans la capitale française. La RDC était représentée par Mme Bestine Kazadi, ministre en charge de la coopération internationale. Suivez ce commentaire de Angèle Mabiala. Après avoir passé le témoin de Jeux de la francophonie à l'Arménie, pays hôte des prochains Jeux en 2027, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie a fait un bref bilan du mandat de la RDC à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie tenus à Kinshasa. Les Jeux de la francophonie de Kinshasa ont été bien plus qu'une conjugaison culturelle et sportive. Plutôt, une démonstration d'une francophonie se réinventant continuellement afin de partager des savoirs à travers la diversité et la pluralité des peuples. Et ceci dans un contexte sécuritaire difficile, caractérisé par une agression étrangère contre l'intégrité territoriale à l'est de la République démocratique du Congo, en violation de tous les traités et accords internationaux. Sur place, Bestine Kazadi a échangé avec la diaspora congolaise. Parmi elles, des professionnels qui contribuent au développement de la RDC par des transferts de fonds évalués à plus de 1,4 milliard de dollars américains chaque année vers la RDC. Cela démontre que la diaspora est une force économique. Avec les membres d'Aluminis, il a été question de réfléchir sur le moyen d'impliquer davantage la diaspora dans la réalisation des 6 engagements du chef de l'État et la priorité du gouvernement. À la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Bestine Kazadi a rappelé les sacrifices des artisans de cette souveraineté, dont les martyrs, hommes et femmes, qui ont combattu en faveur de la liberté du peuple congolais. La ministre déléguée pour un Congo uni et prospère, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si elles l'ont vécu au Tchad, maintenant le pays s'apprête à organiser cette fois-ci les élections locales. Le Burundi est sollicité pour accompagner le Tchad dans l'organisation de ces élections. C'est l'objet de la visite à Bujumbura du ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mandenga. Tout le monde l'a salué. La facilitation congolaise menée avec doigté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a permis le retour des exilés politiques dans leur pays, le Tchad, mais surtout aux Tchadiens de pousser un ouf de soulagement, ce grâce à la tenue il y a peu de l'élection présidentielle, laquelle a sonné l'éclat d'une longue transition de 3 ans. Mais les facilitateurs désignés de la CAC ont encore du pain sur la planche, en ce qu'il devra, en sus de cette prouesse diplomatique, sensibiliser ses pairs de la CAC à apporter leur soutien au Tchad dans l'organisation des élections législatives et locales d'ici au mois d'octobre prochain. Les explications de l'envoi spécial Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, qui a parlé de la question avec le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Il était question de faire un rapport à mi-parcours au président Ndayishimiye et à sa qualité de l'un des chefs d'État de pays membres de la CAC. Les rapports sur les élections, sur le processus au Tchad, les élections présidentielles organisées depuis les mois de mai de cette année. Le Tchad sollicite ses moyens du fait que depuis la transition, et il a été organisé des dialogues, il a été organisé les élections référendaires ainsi que les élections présidentielles. Totalement, ça a été financé par le Tchad. À la lumière de ces rapports à mi-parcours, le chef de l'État burundais a promis tout son appui. Une centaine de femmes des milieux ruraux sont dotées de kits de métier après une formation devant les rendre beaucoup plus autonomes. Suivez ce reportage de Sandra Nyangi. La situation de l'emploi et la promotion des jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat préoccupe au plus haut point la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Yeloumoulop. Pour en savoir plus et probablement espérer plus d'efficacité et dans la finalisation de cette vision, Chantal Yeloumoulop a choisi d'en débattre avec le ministre en charge de l'industrie, Louis Kabamba. Les deux personnalités se sont convenues de travailler en synergie pour garantir l'épanouissement socio-économique de la jeunesse congolaise qui constitue les chevals de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les développements socio-économiques. Sur le point de vue de la masculinité positive, on voudrait travailler sur l'inclusion financière de la femme, voir comment est-ce qu'avec son excellence, on peut arriver à mettre en place un fonds national de l'entrepreneuriat de la femme ou un autre fonds où on peut aider les femmes, non seulement au niveau micro-financement, nano-financement et grand financement. La présence de Mme Pierrette Genet, ministre honoraire et vice-présidente de l'Association de femmes de chefs d'entreprise et présidente de la plateforme de l'entrepreneuriat des femmes en RDC, se justifie par la hauteur et la profondeur de sa connaissance qu'elle détient sur ces dossiers. Retour dans les milieux ruraux où plus de 400 femmes ont reçu de kits de métier après avoir suivi une formation devant les rendre beaucoup plus autonomes, je disais donc ce reportage de Sandra Nyangi. 200 femmes issues des milieux défavorisés ont bénéficié des kits de métier de démarrage d'une activité économique pour leur véritable autonomisation financière. Cette dotation des kits vient sanctionner les efforts consentis par ces jeunes femmes durant 4 mois de formation dans les filières telles que pâtisserie, coupe et couture, esthétique générale, la transformation agroalimentaire. La fondation Grâce à ma mère, dirigée de main de maître par Julie Sulimanika, ne déroge pas à son programme de réinsertion professionnelle de jeunes filles désœuvrées. Et ce, grâce à l'appui financier des partenaires comme l'UNFPA, le projet PADEM-PME, financé par la Banque mondiale. Voilà pourquoi nous organisons plusieurs formations gratuitement et nous nous battons malgré nos faibles moyens pour trouver de quoi financer leur kit de démarrage au métier pour se prendre en charge. Nous sommes arrivés à la 5e édition. Chaque année, nous apprenons, nous améliorons. Nous avons aujourd'hui 200 femmes que nous venons de lancer
sur le marché de l'entrepreneuriat. Pour cette 5e édition, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence ces cérémonies. C'est le cas de Louis Watoum, ministre de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes Entreprises, M. Marc Ekila, ministre de la Formation Professionnelle, Léonie Kandolo, ministre du Genre, Famille et Enfants, et Noëlla Ayeganagato, ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, ainsi que le représentant résident de l'UNFPA, Madi Biaye, et Alexis Mangala, coordonnateur national du projet PADEM PME. Nous allons à présent nous rendre au ministère du Développement Rural où le projet ProADER veut s'implanter dans la province du Kwango, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Le ministère du Développement Rural veut se rassurer de sa mise en œuvre. C'est un reportage de Eddie Tchala. L'approche terrain le maintient en contact direct avec le monde rural. Moïse Nzangi Butondo, ministre d'État, ministre du Développement Rural, était dans les champs des petits producteurs des manioc au Kwango et à l'usine de transformation de l'Écosac, appuyé par le ProADER, projet du gouvernement de la République. De l'épluchage du manioc jusqu'à la production de la farine de manioc panifiable et à consommation domestique, le ministre d'État a salué l'encadrement des petits producteurs. L'approche est que nous les facilitons à avoir des terrains labourés sans qu'ils ne payent RC, et aussi pour qu'ils aient l'accès au matériel de production de qualité. Et là, nous sommes en train de développer la filière manioc. Michel Dissonama, président du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale ProADER, accompagné des parties prenantes impliquées dans ce projet, a indiqué que ce projet à impact visible vise la promotion de l'économie rurale dans plus de 12 villages de Kwango. Les populations bénéficiaires témoignent de l'impact de ce projet dans leur vie quotidienne. Marqué par cette visite du ministre d'État, ministre du Développement Rural, Moïse Nzangi Butondo, l'ingénieur Abdias Nyangisi Utono, administrateur gérant de l'entreprise Ecosoc SARL, a remercié les délégués du gouvernement pour cette inspection afin de s'imprégner de la réalité de terrain. L'idée des descentes sur terrain avec son Excellence Monsieur le Ministre, c'est de voir comment le gouvernement pourra répliquer ça sur chaque secteur de ces pays, afin qu'on puisse tirer la production des différentes filières agricoles. Des stagiaires de l'École supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés au Caire en Égypte pour une session de formation. C'est le fruit de la coopération entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Images et commentaires au cours de nos éditions ultérieures. Juste le temps de vous dire qu'à la veille de la rentrée de classe, l'intersyndicat de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel s'est réuni pour aborder des questions brûlantes de l'heure. Depuis sa création à la demande du corps enseignant des écoles primaires et secondaires du pays, la Mutuelle des Santé des Enseignants, MESP, a signé le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour assurer la prise en charge médicale des enseignants dans toutes les écoles du pays. De 2000 enseignants, la MESP procure actuellement les soins de santé à 7000 enseignants. L'accroissement de l'effectif de ces enseignants et la dollarisation de l'économie congolaise sont des obstacles majeurs pour l'administration des soins de qualité aux enseignants de toutes les provinces du pays. Pour la bonne marche de ces partenariats, Éducation nationale, MESP, l'intersyndicale s'implique, ce qui justifie la réunion du staff dirigeant des MESP et l'intersyndicale de l'éducation nationale. L'accroissement de ces effectifs, vous savez, souvent avec les taux des dollars, et parce que l'argent c'est en francs congolais, ils ont vraiment des sérieux problèmes. Et nous, du côté de l'intersyndicat, nous sommes appropriés de toutes ces difficultés pour qu'ensemble nous puissions trouver solution. Et lorsque nous avons surtout les commissions paritaires et que nous puissions poser ces problèmes de la MESP pour que les enseignants puissent vraiment avoir de bons soins. C'est un accroissement de 98% depuis que la MESP a été lancée, contre un accroissement financier de 12% seulement. C'est tout le problème de la mutuelle. Et aussi avec la nouvelle donne, la couverture santé universelle, nous souscrivons à cela.
Une dotation de matériels médicaux offerte au centre d'application de l'ISTEM, l'Institut supérieur de technique médicale du Bandundu, par le comité de gestion de cet établissement. C'est un geste qui vient de renforcer la capacité de formation des apprenants, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Nous sommes au stade Vélodrome de Kintambo. L'engouement est total. De jeunes venus des différents coins de la ville de Kinshasa ont répondu présents à l'appel du coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023 qui soutient les actions et la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs jeunes ont, séance tenante, adhéré à cette plateforme qui lutte contre les antivaleurs. Horizon 2023 vient d'accueillir plus de 5000 nouveaux adhérents. L'idée d'Horizon 2023, c'est d'aller vers les Congolais, les Kinois et les Kinoises pour leur dire qu'un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Je crois que dans un élan patriotique, les Kinoises et les Kinois chez qui nous sommes allés depuis 3 mois ont compris la nécessité de faire du don de soi pour la patrie une question nationale. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir faire barrage à tout esprit d'antivaleur qui ont érigé domicile dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut combattre la corruption, il faut combattre la concussion, il faut combattre les détournements des deniers publics, il faut combattre les manques d'équité dans la redistribution des revenus nationaux. Et donc, il faut promouvoir l'avènement d'un État de droit. D'autres actions d'éclat sont prévues dans les tout prochains jours, dans le cadre des contrôles citoyens de la gouvernance en RDC. Nous rendre à l'ISTEM Bandundu qui a reçu du matériel médical offert par le centre d'application donc justement de cet établissement. C'est un reportage de Rodé Panda. Dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de formation à l'ESU, le comité de gestion de l'ISTEM Bandundu a doté des matériels médicaux au centre d'application médicale de leur établissement afin de permettre aux étudiants de lier la théorie à la pratique lors des travaux pratiques et stages. La présentation de ces outils a été faite ce lundi 1er juillet 2024 par le professeur Ferdinand Mamania, directeur général de l'ISTEM Bandundu, en présence des autres membres du comité de gestion du personnel et des étudiants. La cérémonie de ce jour est relative à la remise des équipements acquis sur fonds propres, c'est-à-dire avec des frais académiques payés par vous, nos chers étudiants. Imprimante à échographie. Mettez de l'autre côté là, l'imprimante à échographie ici. La dotation de ces matériels vise à accompagner les systèmes LMD. Il s'est dénoté que ces matériels ont été acquis sur fonds propres de l'ISTEM Bandundu. Ensuite, les DG a supervisé la visite guidée des homes des étudiantes en construction. Signalons que depuis la prise de ses fonctions à l'ISTEM Bandundu, les professeurs Mamania et les autres membres se distinguent par la construction de nouveaux bâtiments et l'équipement en matériel. Ces réalisations sont les résultats de la volonté politique et de la bonne gouvernance. La journée s'est clôturée par un match de football qui a opposé les étudiants de L1 soins généraux à ceux de gestion. Si vous êtes titulaire de droits miniers de carrière, ceci vous concerne. Le cadastre minier, vous informe que vous avez fait l'objet de procès-verbaux de constat de non-commencement de travaux dans les délais légaux, conformément à l'article 288 du Code minier. Ainsi, il est rappelé aux titulaires concernés que ces procès-verbaux leur sont notifiés et affichés au cadastre minier pour leur permettre de présenter leurs moyens de défense en dehors 45 jours conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Passé ce délai, ces titulaires s'exposent à la déchéance de leurs droits miniers et de carrière en vertu de l'article 289 du Code minier. Merci d'avoir suivi ce journal et bon week-end à tous et à toutes.